Hey Sam, j'ai de nouvelles informations qui vont vous intéresser. J'ai pu les récupérer grâce à vos efforts pour étendre le réseau chiral. C'est à propos de... à propos des bébés. Attention, soyons clairs, j'ai déniché ça de mon côté. Personne ne m'a demandé de creuser. Et si jamais on vous pose la question, mettez tout sur mon dos. Je ne veux surtout pas que ça vous retombe dessus. Vous m'écoutiez simplement radoter sur le réseau, c'est compris? Enfin bref. Apparemment, la technologie des bébés n'a pas été inventée par Bridges, mais par un groupe de séparatistes. Des terroristes opposés à l'expansion des UCA, d'après ce que j'ai trouvé. Ils ont commencé à les utiliser il y a environ 3 ans. Exactement au moment où Bridges 1 commençait à planifier son expédition dans l'Ouest. Ces séparatistes avaient, semble-t-il, eux aussi des problèmes avec les échoués. Et à l'époque, ils se sont dit que s'ils arrivaient à les localiser, ils pourraient les mettre sur notre chemin. Quand Bridges a eu vent de toutes ces manigances, ils ont décidé de combattre le mal par le mal. Dans cette optique, ils se sont servis des bébés comme contre-mesure. Il est tout à fait envisageable que le vôtre ait été mis en service dans ce but précis. Un fait que quelqu'un semble avoir essayé de cacher, à en juger par l'absence de rapport de service du bébé 28. J'ai toujours trouvé étrange qu'on soit si enclin à exploiter une technologie qu'on comprend à peine, et pour cause. Maintenant, on sait pourquoi. Depuis le début, on se contente de copier des méthodes et des techniques employées par d'autres. Ce n'est pas tout, il y a autre chose. Ça concerne les premières expériences sur les brises brouillards. Si on en croit le peu d'informations que j'ai pu réunir, il semblerait qu'elles aient débuté au même moment où le Death Stranding s'est produit. Elles avaient lieu sur l'île de Manhattan, sur la côte est des États-Unis de l'époque. Une île qui a été intégralement rayée de la carte suite à une énorme explosion, certainement une néantisation. À l'époque, le gouvernement américain approuvait entièrement ces expériences, il allait même jusqu'à les financer. Ce n'est qu'une théorie, mais, à mon avis, le programme Bébé a vu le jour dans un effort des équipes scientifiques pour faire toute la lumière sur la nature du Death Stranding. Bien que leurs intentions étaient louables pour des raisons d'éthique et de sécurité, l'opinion publique s'est fermement opposée au projet. Mais les chercheurs ont refusé de baisser les bras. Et dans leur empressement de trouver des explications à la plus grande catastrophe de leur temps, je crois qu'ils en ont provoqué une autre. Un point non négligeable dans cette histoire, le président lui-même a été tué dans l'explosion. C'est seulement après sa mort, quand la vice-présidente Strand lui a succédé à la tête du pays, qu'un décret officiel a mis un point final à toutes ces expériences. Les documents ont été détruits, les installations abandonnées, et tout a été mis en œuvre pour faire croire que la technologie des bébés n'avait jamais vu le jour. Ce qui m'amène à me demander comment un groupe de séparatistes sortis de nulle part a pu déterrer cette technologie des dizaines d'années plus tard. Je vous fais signe si je trouve quoi que ce soit d'intéressant. Sam, consultez le terminal et passez la liste de commandes en revue. Les habitants de la ville relais des montagnes ont un problème bien plus urgent à régler. Apparemment, une substance ressemblant à de la poix remonte du sol dans le coin. Les habitants en signalent de plus en plus un peu partout, et si on ne fait rien, elle atteindra la ville sous peu. D'ailleurs, des traces ont déjà été repérées à l'intérieur du mur d'enceinte. Il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose, sinon toute la ville pourrait être engloutie par une mer de poix en un rien de temps. Il y a une commande du relais des montagnes. Vous trouverez tous les détails sur le terminal. Si la théorie selon laquelle les geysers de poids sont liés à la grève est une réalité, dans ce cas, la ville relais des montagnes pourrait bien courir le risque de se faire engloutir par l'autre côté. C'est pourquoi ils ont besoin que vous bouchiez ceux qui se trouvent dans la région avant qu'il soit trop tard. Toutefois, nos scientifiques pensent qu'utiliser une bombe antimatière devrait suffire à rompre le lien et donc résoudre ce problème. Ils menaient des recherches sur la technologie de propulsion à antimatière ici avant la première expédition. Et vous savez de quoi ils se servaient ? D'antimatière isolée via la grève. Mais en fin de compte, ces expériences ont été interrompues. Les chercheurs n'ont jamais réussi à mettre au point quoi que ce soit qui soit exploitable. Et les risques étaient considérés comme trop élevés. Quand Bridges 1 a débarqué, ils ont pris le contrôle des installations et des réserves d'antimatière. Pour amoindrir les risques d'une annihilation catastrophique, ces scientifiques avaient divisé l'antimatière à l'aide de pièges magnétiques spéciaux. Ces pièges ont été détournés pour fabriquer la bombe. Une fois le champ magnétique supprimé, l'antimatière peut entrer en contact avec le revêtement,
ce qui provoque une néantisation. Il va sans dire que si jamais une de ces choses venait à exploser en route, les conséquences seraient désastreuses pour tout le monde. Et comme si ça ne suffisait pas, ces pièges n'ont pas été conçus pour être transportés. Bien sûr, la caisse contenant la bombe est dotée d'un stabilisateur intégré, mais je vous déconseille de la renverser ou de la faire tomber. Si jamais les aimants lâchent, vous disparaîtrez, ainsi que tout ce qui vous entoure sur des kilomètres à la ronde. Alors oui, on peut dire que cette mission est très dangereuse. Mais vous êtes le porteur le mieux placé pour la mener à bien. Faites de votre mieux, Sam. On compte sur vous.